Abonne-toi et active la cloche. Coucou mes choubidous. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo. J'ai une semaine dans mon assiette, comme ça, si ça peut vous donner des idées, ben, je serais super contente. Dites-moi si ça vous donne des idées, ça me fera super plaisir. Dîner sur le canapé, alors regardez, non mais, heureusement que j'ai demandé de me mettre du lambeau, mais regardez ça, l'ananas, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est bouillant, il vient de me faire livrer. Voilà le porc qui est caramélisé, mais qui est allègre douce. Et là, vous avez les nouilles chinoises. Mais c'est une tuerie, hein. Je ne vous cache pas que c'est vraiment très très bon. Voilà, je vais manger ça. Ça fait depuis... voilà. Depuis 10 ans que je les connais, 10 ans que je commande chez eux et j'arrive pas. Je vais chez les autres, mais en fait, c'est toujours eux que je reviens. Voilà, et regardez ça. Non, mais franchement... C'est sucré, hein, par contre. Hein. Sucré, salé. Et là, regardez, il doit y avoir du concombre ou je sais pas ce que c'est, là. Regardez ça. Bon, allez, bon appétit. Et après, j'ai les boules de coco. Mais moi, je me dis, ça me fait 2 jours. Hein. J'en ai pour 2 jours. Alors, je mange une pastilla marocaine. C'est super bon. Mais franchement, c'est super bon. Voilà ce que je mange ce midi. Courgettes tagliatelle, oignons rouges, jus d'orange, poisson, gomasio, épinards, parfait. Bon appétit. Voilà ce que je mange aujourd'hui, beefsteak avec brocoli et courgettes. Et puis des petites épices et fait avec de la moutarde. Voilà, voilà. Alors, frites, steak tartare, carottes râpées, mâche, avocat, tomate. Bon appétit. Voilà ce que je vais manger ce midi. Petit repas du jour, steak haché tartare charal, des petites frites avec du gomasio et une petite salade verte. Voili, voilou, bon appétit. Alors aujourd'hui c'est escalope de dinde panée avec brocoli, j'ai tout fait cuire au citron, voilà, sans sel, sans rien, mais c'est bon hein, parce qu'avec le citron ça fait comme si c'était un peu de sel. En fait, c'est un peu d'acidité et c'est pas mal du tout. Voilà, mon repas du jour. Alors, il y a un très beau soleil. Alors, ce midi, je mange salade de tomates endives avec une petite sauce maison que j'ai fait avec du vinaigre, de la moutarde à l'ancienne. J'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté dedans? Beaucoup de vinaigre, parce que moi, j'aime bien le vinaigre. Et puis là, vous avez des carottes arc-en-ciel. Avec un filet de colin au citron que j'ai acheté de chez Picard. Là, je vous le montre, il est très bon. En plus, il n'est pas très salé, donc c'est parfait. Et puis, des carottes que j'ai cuites. C'est les carottes arc-en-ciel dans mon... quand j'ai eu mon pack. Non, quand j'ai fait une commande, je n'avais pas de pack anti-gaspi. Voilà. Franchement, ça a l'air trop bon. Hein. Je vais me régaler. Alors, aujourd'hui, je mange poivron avec de l'ail et de la ciboulette et de l'huile d'olive. Escalope viennoise, mâche et frites. Alors je vous montre, c'est une recette végétale, archi-végétale et végane. Du steak haché végétal, vous voyez, haché végétal gourmand. Des macaronis, alors dedans il y a du steak végétal, il y a de la pulpe de tomates fraîches bio, sans conservateur, avec une petite pointe de teriyaki, de soja, mais vous n'êtes pas obligé. Après j'ai mis de l'ail, de l'oignon, j'ai mis des herbes, j'ai mis des brocolis parce que je trouvais que ça allait sympa, c'était sympa avec les brocolis. Bref, c'est une pure tuerie, vous voyez, j'en ai pour pas mal de temps encore, hein, comme je suis seule. Voilà, bah écoutez, je vous recommande cette petite recette, tout simplement. Je vais mettre une vidéo, donc vous pourrez voir la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Abonnez-vous à mon Instagram si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, bah je vous montre tout simplement. Et sincèrement, c'est une tuerie. Voilà, vous avez toutes les herbes. J'ai caramélisé les oignons parce que je les ai caramélisés dans justement la sauce teriyaki que je vais vous montrer. Voilà.
La voilà. Sauce yakitori, c'est pas teriyaki, c'est kikkoman yakitori. Alors j'en ai mis très très peu juste pour caraméliser mes oignons. Voilà, et si j'avais eu de l'orange, j'aurais mis une petite pointe d'orange, mais j'en avais pas. Un petit jus, j'en avais pas. Voilà, bah, bon appétit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. I love you et Shlibodi, je te kiffe entièrement. Bye bye. Abonne-toi et active la cloche.